Allez, salut les gens, c'est la suite de Mario Maker for Nintendo 3DS. Et ben je continue le défi Super Mario, je suis au monde 9 je crois. Continuer. Pourquoi mon micro il fait des bruits bizarres alors? Félicitations pour avoir terminé un monde de plus. Le monde dans le 8 avait beaucoup de pièces à amasser, non? Il y avait presque trop pour toutes les obtenir. C'est comme se retrouver dans un rêve éveillé. Non, mon micro est bon. La route devant nous est encore longue. Il serait judicieux d'obtenir des vies supplémentaires lorsque l'occasion se présente. Ah oui, j'ai 100 vies! Yamamura est devenu très sérieux, votre nouvelle. Bokpo, bref, allez, hop, c'est bon. Ah. Est-ce que j'aurai des soucis de manette? Non, c'est bon. Pourquoi ma manette est rouge là? What? Enfin, pas rouge, mais t'as le truc de ma DualSense là est viro rouge, je sais pas pourquoi. Enfin bon. Attends, ok, j'ai pas compris ce qu'il faut faire là. Vaincre Bowser Junior géant avant d'atteindre l'arrivée. Ok. D'ailleurs, à partir de demain, il y aura du Super Mario Party Jamboree. Bon, en solo pour commencer, mais voilà. Il y aura du Mario Party Jamboree. Et c'était une idée de merde là que je viens de faire, non? Ah, moi aussi j'aime le jambon et le riz. Hein. Surtout le riz. Ok. Voilà. J'ai pas de clé ou autre? J'ai pas le droit à une clé. Ok, bon bah très bien. Vaincre Bowser Junior d'un coup de queue avant d'atteindre l'arrivée. Ouais. Non, il y a des clés. C'est juste que je pensais qu'il y avait autre chose, mais très bien. D'ailleurs, j'ai pas regardé combien il y avait de... J'ai pas regardé combien il y avait de... Ah, de niveau dans le monde neuf, là. Ok. Allez, deuxième... Hop là! C'est passé? Ouais, c'est passé. Bah, en fait, le Mario Maker 3DS prend vraiment toutes les mises à jour qu'avait le premier Mario Maker, en fait. Et attends, quoi? Je l'ai fait! Mais je l'ai fait! Mais je l'ai fait! Bon, tant pis, hein. Fallait peut-être faire que des coups de queue, je sais pas. Mais si c'est ça, c'est pas une super trad, je trouve, hein, mais bon.
Amasser les 50 pièces en attente de l'arrivée, bah très bien. Oh! C'est Manoir de Boost, ça. Cette musique, elle fait très Wario, je trouve. Enfin, je sais pas, enfin, elle fait très Wario Land 1. En fait. Est-ce qu'il y a quelque chose là-haut? Ok. Salut les filles. Un village de Wario Land 3 et 4. Ouais, par exemple, enfin, je pensais surtout au premier Wario Land en fait. Et salut les filles. Oh putain. Attends, il y a plein de trucs là en fait. Il y a rien là en bas? Ouais. Bref. Faudra que je fasse d'ailleurs entre guillemets un remaster de mon let's play sur le premier Wario Land. Mais faudrait surtout que... Ah, putain! Faudrait surtout que je fasse le 2 en fait. C'est encore le seul que j'ai pas fait en let's play techniquement. Mais j'attends qu'il vienne sur le Nintendo Switch Online surtout. D'ailleurs, c'est pas possible qu'en 2025 je refasse un petit marathon Game Boy d'ailleurs. Game Boy Advance. Non, il n'y a pas d'ailleurs. Là, les derniers jeux qui ont été annoncés pour une Nintendo Switch Online, c'est F-Zero GP Legend et F-Zero Climax. Oh. Ah, d'accord. Attends, il me manque 4 pièces là. Ah, bah, les 4 pièces, elles sont là en fait. Mais non, pour l'instant, il n'y a toujours pas Wario Land 2 et 4. Il n'y a toujours pas ce que j'attends. Il n'y a toujours pas Mario Power Tennis et Mario Golf sur Game Boy Advance. Que ça, j'ai trop envie de... Ah ouais, d'accord. Et ça, c'est des jeux que j'ai trop envie de vous montrer. Ils sont vraiment pris au pif. Bah, c'est pas vraiment qu'ils sortent au pif, c'est surtout qu'ils sortent au compte-gouttes, en fait. Genre là, avoir les F-Zero de la Game Boy Advance, je trouve ça super cool en vrai. Hein. Ah, j'ai vraiment trop envie de vous les présenter en vrai. Hein. Je trouve ça très rigolo comme... Ah mais par contre... Il y a 8, là j'en ai 7. C'est passé? Je crois que c'est passé, hein. Ouais, c'est bon. Oh, c'est rigolo comme défi. Ah, il y a 8 niveaux. Oh, punaise. 200 pièces. Mais ouais, moi j'adore les émulateurs, enfin proposés sur Switch, mais oui, c'est le compte-gouttes, hein, c'est un peu le problème. Hein. Ah, ça y est, du wall jump enfin. Ok.
Ok. Je suis pas hyper accès à internet en ce moment. Ah ouais, je peux comprendre. Après, il y a toujours les émulateurs PC qui fonctionnent bien, hein, donc bon. Ok. Prends les émulateurs que je télécharge. Ah bah oui, ça hein. Ouais, tu me diras, je joue sur émulateur là. Ça, je peux comprendre. Après, moi, le problème que j'ai, bon, il y a des jeux, ça va, hein, mais... Ok, faut aller vite. Autant, il y a des jeux, ça va, mais des fois... Des fois, je préfère encore émuler que acheter le jeu en occasion et que ça coûte la peau du cul, en fait. Oups. Ça, moi, j'ai vraiment arrêté d'acheter du rétro, hein, parce que ça c'est trop cher maintenant. Et surtout que j'ai ce qui me convient en vrai, donc voilà. Quoi. Oh, ça va, tranquille. Tranquille. Les jeux Pokémon physiques, c'est... Ouais, mais c'était pas le cas il y a 10 ans. Hein. C'était vraiment pas le cas il y a 10 ans. Hein. Les jeux Pokémon, à l'époque, il y en avait tellement et ça se revendait, pas si... ça s'achetait pas si cher que ça en occasion. Hein. Visiter la pièce avec l'effet sonore bonus. Et vraiment, il n'y a pas que Pokémon, hein, y a plein de jeux hein, qui ont le même problème. Hein. Vraiment, j'ai juste donné un exemple. Hein. Bon, là, je vais reprendre un exemple de Pokémon, mais voilà. Pokémon XD, le souffle des ténèbres, je crois que je l'ai acheté en occasion. Il valait quelque chose comme 25 euros. On dira, 25 euros le jeu GameCube, ça va. Là, maintenant, je crois qu'il est à plus de 100 balles, le machin. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et là, bah, on voit... Maintenant, on voit... En fait, là, maintenant, tu... Les gens, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment du rétro. Alors, il y en a qui les veulent réellement pour la collection, hein, ça je respecte. Hein. Mais il y en a aussi, bah, tu sens que c'est juste un investissement. Il hein. Y a le même problème hein, dans le marché du jeu de cartes. Hein, c'est vraiment beaucoup de spéculation. Hein. 200 balles à Easy Cash, voilà, c'est n'importe quoi ça. 200 balles pour un jeu GameCube. Bon, au bout d'un moment, encore une fois, je suis désolé, hein, mais... vraiment, fait sur émulateur. Surtout qu'en plus, Dolphin est super bien, émule super bien. Donc voilà. Et en plus, je peux vous dire que moi, les Pokémon XD et Colosseum, à un moment, j'ai dû les revendre parce que j'avais des problèmes de fric. Ouais, bah, maintenant, je suis bien dégoûté, hein. Ah bah c'est clairement un délire hein. Conseil les jeux abandonne noir. Bah j'imagine que ça marche, après tout n'est pas en abandonware.
Et bon, on connaît les gens, hein, c'est-à-dire moi aussi, hein, ça veut jouer à du Mario, ça veut jouer à du Fire Emblem, ça veut jouer à du Pokémon, hein, voilà. Mais il faudrait que je me penche sur la bonne Hardware un jour, je sais pas quand, il y a trop de jeux à faire. Je sens que... Je sens qu'il va y avoir un bail en mode il faut tuer tous les champs. Ouais, Skies of Arcadia, moi je me dis il peut y avoir un remaster un jour ou l'autre en vrai. Ah bon bah très bien. Skies of Arcadia, j'y crois un remaster. Hein. Après les Fire Emblem, bon bah faut espérer, je pense pas qu'ils arriveront avant un moment. Hein. Passer par une porte verrouillée et atteindre l'arrivée. N'est-ce pas Radiant Dawn? Putain, mais même Radiant Dawn! Putain, quand je l'avais pris à l'époque. Bon, j'ai un peu arnaqué quelqu'un. Parce que je l'ai eu à 25€ à un moment où il valait 90, quelque chose comme ça. Mais là, maintenant, c'est plus 90 qu'il vaut, je crois qu'il est encore plus cher. Burning Ranger, je connais pas du tout. Hein. Et quoi? Il aimait pas FE, mais il aimait Mikaya. Ah ouais. Mikaya, design cool, je trouve. Mais j'avais commencé Pass of Radiant, j'avais commencé Radiant Dawn, mais j'en ai fini aucun des deux. Hein. Nexus Sega Saturn. Ah, peut-être. Mais quoi? Comment on l'a, celle-là? Comment on l'a, cette pièce? Celle-là est tranquille, ça je veux bien. C'était hyper cher parce que c'était... Oh, je crois... Attends, non. Je crois que j'ai compris. Je suis pas sûr, mais... Mais non, en fait. Non, je sais pas si j'ai compris. Je vois que les consoles CDI, je connais pas du tout. Enfin, je sais qu'il y a les fameux Hotel Mario et tout. Et apparemment, après, apparemment, c'est aussi une chure à émuler aussi. Hein. À moins que ça a changé entre temps. Bah non. Oh putain. Attends. Ah c'est en 2015. J'avoue que je m'y suis jamais intéressé moi donc bon. Après y a pas un remaster PC apparemment. Enfin un remaster PC. Un fan remaster PC de Face of Evil et tout. Il me semble que j'avais entendu parler d'un fan remaster. Mais bon, à mon avis, c'est bien plus tard que 2015. Hein. Oh,
Attends, mais... Comment j'ai cette pièce? Ça me rend fou! Ah, c'est le même qu'a fait Arzette, sérieux? Arzette, faudrait que j'y joue, apparemment c'est un très bon jeu, hein. Pas comme quoi? Bon, est-ce que je peux comprendre Putain, mais ça a l'air trop chaud ce que je dois faire. Non, attends, je crois que j'ai compris. Mais je suis un gros débile en fait. Je suis un putain de débile. C'est encore plus con que j'imaginais, hein. Vous allez voir. Putain, mais j'overfilm comme un con alors que ça sert à rien. Ouais, juste à faire ça en fait. Putain. Je suis vraiment fait chier pour rien. Hein. Y'a là toi. Attends, il me manque encore des pièces là. Ça fait 4. Ok! Là, voyez, il y a la clé. Là. Eh ben voilà! Et c'est quoi le deuxième truc? 75 pièces? Ok, ça va. Ça va, ça va. Ouais, tu peux. Mon Discord est là pour ça. Je dirais ça sûrement après le stream du coup. Ok. J'aime trop cette musique. D'ailleurs, cette musique a été reprise dans Super Mario Odyssey et dans Super Mario Bros. Wonder. Ils ont vraiment gardé cette musique, hein. Je trouve ça trop cool. Oh merde, oh putain. Je suis à combien? 44.
Aïe aïe aïe. Ok, c'est bon. Oh ouais, mais il y avait de la marge en fait. La musique est cool en plus car ça c'est pas de remix. Ouais, c'est clair. Et la musique est très bien, hein. C'est ça qui est. Comme quoi, des fois, quand on essaie de faire un petit peu autre chose que des remix, ça marche aussi, hein. Bon, je suis un peu méchant, hein. Généralement, les compositeurs de Mario, ils sont très bons, hein. J'ai pas vu encore. Mario Blindule, ok. Oui, au Québec, visiblement, ils mettent Mario Blindule et Mario Bruit Insecte. Ah, merde. Oh. Attends, là, ça dit en tant que Mario Blindule. Enfin, Mario Bruit Insecte. Oh, merde! Elle a combien de vie ici? Ça me va pas, hein. Ok. Bon, je pense qu'il va falloir refaire le niveau avec ce qu'il y a en dessous. Briser tous les blocs en attendant de l'arrivée. Ok. Allez, s'il te plaît. Oh, il fallait briser ce bloc, merde! Bon, attends, on recommence. Voilà. Et là, il en manque deux encore.
là. Il en manque un. Il en manque un, mais il est où? Oh, j'ai trouvé! C'est des malades. C'est des malades. Attends. Putain! Ah, ça sert à rien. Ok. Allez, c'est bon, rush. Oh là 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 là. Ah mais là faut fouiller hein. Oh faut fouiller hein. Bien. Allez, suivant. Un petit peu d'eau quand même. Passer sous au moins 5 fleurs piranha ailées. C'est quoi cette condition de con là encore? Et j'imagine que faut passer en dessous des munchers aussi. Oh sérieux. Ok. Et je passe en dessous et je passe au-dessus. Comme ça, je fais les deux. Ah. Ok. Ah, c'est un autre endroit encore. Ah oui, non, ok. On dira un monde du... On dira un niveau du monde 7, ça, en vrai. Ouais, bravo. Mmh.
Bref. Erreur fatale. Ah putain. Bon, voilà, comme ça c'est fait. Pourquoi on m'appelle là? Je connais même pas le numéro. Hein. Il m'a fait peur là. Je sais pas si ça vous arrive en ce moment. T'sais, des numéros de téléphone random qui vous appellent. Mais genre. T'sais, qui ressemblent au vôtre. T'sais, que des numéros similaires au vôtre. Genre, c'est pas marqué comme suspicion de spam chez moi. Mais ouais, je sais pas, tu vois les premiers numéros de téléphone et ensuite ils changent un peu. Tu vois les premiers numéros du numéro de téléphone et ensuite ça change un peu par rapport au tien. C'est trop bizarre. Et dites-vous que la majorité de mes appels, c'est ça en ce moment, hein. C'est des suspicions de spam et des numéros qui ressemblent aux miens. Ah, des numéros inconnus, ça par contre, j'en ai plus, hein. Évidemment, je suis sûr que ça laissera pas de message. Hein. Attends, il a essayé de m'appeler deux fois, what? Enfin bon! Oh sa mère. Mais c'est super stressant ce niveau en fait. C'est quel tuyau là? Ah! J'espère que les ennemis ils ont pas repop hein, là au-dessus. Hein. Bah oui, évidemment. Thank you.
Mais allez, je m'en fous. Voilà. Passer sous tous les ennemis. J'en ai loupé. Toi, j'en ai loupé, t'es sérieux? Oh là là. Bon bah on recommence. Hein. Comment ça, j'en ai loupé? 1, 2. Y'a rien. Oh putain, y'en a là! Mais non, ça c'était. Il y a combien? Il y en a 12. Là, j'en ai pas loupé. Là, il y a pas d'ennemis, il y a rien. Là, c'est le vide. Là, il y en a un. Ok. Attends, ça fait quoi si je ramène la carapace là? Wait! Attends, ce connard, c'est un ennemi aérien! Si c'est lui qui me manque, je pète un câble. Hein. Tac, tac. Oh là 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 là! C'est fourbe ça, monsieur, c'est fourbe! Ah! Ah oui, non, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Donc là, il y en a trois autres. Hop, levez-vous. Debout, comme dirait l'autre. Et je pense que tu ramènes un bloc pot ici, tu te fais un paquet de vie en vrai. Hein. Oh. Mais du coup, on est bon. On est bon! Attendez. J'ai envie de voir le carnage que ça fera. Ah, ça repop! Ah, je suis limité à 100 vies, merde! Bon bah, un peu la clim en vrai. Voilà.
Allez, dernier niveau du monde 9. Putain, ça prend du temps maintenant, hein, les mondes. Passer par au moins un drapeau relais avant d'atteindre l'arrivée. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce niveau encore? C'est quoi ce niveau? Aidant. Allez, s'il te plaît. Ta main, c'est boule de feu. Wow! What? Oh, je me suis fait atomiser. Mais c'est pas juste! Mais c'est pas juste! Il fallait pas mourir! J'en ai eu deux. Allez, dis-moi que c'est bon là. Cerise Yamamura, vous êtes tout poussiéreux. Je faisais un peu de ménage. Nettoyer, c'est comme créer un niveau, la satisfaction qu'on retire après un travail bien fait. Pour créer un niveau, qu'on nettoie, tout ce qu'il faut, c'est un peu d'huile de coude. Ok. Dans le monde 10, vous avez rencontré Yoshi, OMG!
Allez, c'est reparti pour un autre monde.